Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on est dimanche 9 janvier, il est 8h20 je crois. 8h20, on est à la gare. À la gare de Dax, parce que ce week-end, enfin aujourd'hui et demain, on s'en va à Paris. Alors on a un rendez-vous à Paris demain matin, et ça je vous en parlerai demain. Et en attendant, aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On va aviser selon le temps, parce qu'ici, il fait un temps pourri. Donc, on verra à Paris comment il fait. Et puis, on vous embarque avec nous pour cette escapade parisienne. Allez, c'est parti. Bienvenue voyageurs, nous viendrons rejoindre la gare de Dax, notre TGV destination de Paris-Montparnasse. Nous desservirons la gare de Bordeaux-Saint-Jean, puis Paris-Montparnasse, notre terminus. Je vous rappelle que l'espace restera fermé, et ce jusqu'à nouvel avis, suite aux demandes des autorités publiques. Le port du masque est quant à lui obligatoire, il doit recouvrir votre visage du nez. Ça y est, on est arrivé à Paris-Montparnasse. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait On va manger. Oui. On va manger, on va peut-être essayer de trouver à manger. Et puis après on va aller à l'hôtel. Hein? Ouais. Allez. On va encore laisser les dépôts de nous. Il y a combien de têtes? Ah, je ne m'avais pas dit tout ça. C'est pour mon parent, c'est lui. Oh, tiens, le plus joli col. Assurance. Quand tu as du vol, que tu arrives à Paris, et qu'il pleut des trombes, et que tu es à pied, fais tes trempes. Tu es heureux. Allez, on va se faire un petit McDo. Et puis je suis pas sûre qu'on aille à la Tour Eiffel hein, aujourd'hui, Loulou. Oui. Ouais. On verra. Si ça se calme. Ouais. Et je pense pas. Déjà, va falloir sécher les chaussures. Je sais pas comment on va faire. Un jour. Bah oui, mais bon. Allez, on va manger. On sent le goût que dans le but tout parisien. Toi. Moi, je suis gelée. Quoi? Je suis gelée. Ça rien, je ne pas la seule. Moi, ça va, j'ai le truc qui me touche. Je l'ai fait au restaurant. Un petit cul. C'est ordinaire. Chers dans le cadre des travaux en vue de son automatisation, la ligne 4 sera fermée du 25 juin. Je sais pas, non, c'est pas des lumières qu'ils ont mis en. Peut-être, je sais pas. Ça, c'est l'hôtel Allison, l'hôtel où on est. Allez, hôtel Allison, on est au dernier étage. Au dernier, oh, c'est bien.
c'est une chambre double, c'est trop bien. Alors, quand on rentre, une première chambre, l'armoire, le coin bureau. Je vais pas dormir avec toi, je crois que je vais dormir avec un petit lit bébé. Bonsoir. Et y a deux c'est un petit frigo ça? Oui. Frigo? Il y a des choses dedans? Ouais, mais touche pas trop parce que bon, on sait pas si c'est payant. Voilà. Voilà. Oui. Ici, alors, une salle de bain. Avec baignoire. Et toilette. Par contre, Mathieu va fort te baisser ici. Hein. Je sais pas s'il y en a une autre salle de bain, mais. Ça y est, hop, ils ont fermé. Alors, ensuite, un autre couloir. Parce qu'en fait, c'est deux chambres. Hein. Une autre salle de bain. Non, la même, mais qui n'est pas encardée. Et je vais tout casser. Et hop, une autre chambre avec deux petits lits. Vous avez votre petite télé aussi. Oui, il y a le frigo là aussi. Oui, mais on ne prend rien dans le frigo, Lily. Ah oui, c'est payant. Tu touches, tu bois, tu payes. Attends. Ouais. Les Pringles, 3,50€. La vue. Non. Sur les autres chambres. On dirait notre, l'hôtel qu'on a fait. Bon, mais... Non, mais c'est cool. Hein. Deux chambres, on va être bien, là. Hein. Là. Je regarderai après mon petit balcon. Je vais poser mes affaires et je regarderai après. Il est devenu co-président. On est à l'Elysée. Emmanuel Macron, il est devenu président. Et la relève de la garde, c'est à quelle heure? Oh Logan, les flaques, tu évites, il n'y a pas d'autres chaussures. Waouh! Toujours l'Elysée. Hop, avec en face le ministère de l'Intérieur. Et on est reparti. L'Arc de Triomphe, pas sûr qu'on en voit, moi, la GoPro. On est parti pour aller. On est grave. Bien voilà, le musée du Louvre s'est coupé. Parce que c'est compris, on ne peut plus acheter de billets. Donc en fait, on va sortir, on va juste aller voir la pyramide. Et puis on va voir ce qu'on va faire d'autre. En fait, pour réserver sur internet le billet. Si on a de la chance et que tout n'est pas acheté, on peut y aller. Mais sinon. C'est un peu pour nous. Donc là, on s'en va. Bon. Alors. Logan, monte vite sur le trottoir, bébé. Là, on va aller voir. La pyramide et côté. Oh monsieur Pigeon, ça suffit. Monsieur Pigeon. Voilà la pyramide. Et Logan, il est. Regarde lui, il y a un téléphone là-bas. Il voulait pas. T'as vu le téléphone? Ouais. Il voulait pas, je voulais. Ah oui, j'avais même pas vu.
Et t'as vu la pyramide? Oui. Et la pyramide du Louvre. En fait, on peut même pas s'approcher si on n'a pas de ticket ou quoi? Si on n'a pas de ticket? Mais je sais pas, il y a des barrières. On va aller voir quand même, hein, mais... Alors, on a quand même des très beaux bâtiments, hein, je pense. Voilà, la brochette. Ouais. Il manque moi entre Lily et Logan et Annelie Dalton. N'importe quoi. Lily, il est sympa ce petit métro parisien, là, séparé en deux avec des petites arches. Oui. Ah. Je vais aller le contraire. C'est mignon. Bon, allez, on va essayer d'aller au musée Grévin. Peut-être qu'on va réussir à faire quelque chose aujourd'hui, on ne sait pas. On dit ça tout à l'heure. Allez, c'est parti, on est au musée Grévin. On y va. Je sais pas, il faut laisser. Non, on n'est pas obligé. Alors. Avec 67 balles, il faut payer 2 euros pour le musée. Hein? Ça fait bien. Ah, là-bas, il y a des petits bougales, tu trouvais? Il y en a plus. Il y en a plus. Il y en a plus. Interdit Loulou, c'est de l'autre côté. Là, c'est pour moi, mais c'est pas parce que c'est ça casse pas de vous. Je connais pas. En fait, il doit. Non. Monsieur Malapé. Ah oui. Ah mais on peut montrer. Ah non, mais j'allais dire. Un petit peu mal au cul, il fait des visuels. Beaucoup trop de paparazzi là. On est des stars, mais quand même. Bien, ça va là. Tu sais que nous avons mis Nati? Ah oui, je t'ai pas dit que c'était elle. Je savais comme ça. De Catherine Frotte. Oh. Oui, il y a que madame aussi. Alors, Roberto Benigni a disparu. Hein. Roberto Benigni a disparu. Ça va, c'est qui lui? Je sais pas. Par contre, fais gaffe parce que Charles Major te regarde derrière les oui. Mais je sais, j'ai eu peur. C'est Anne Romanov, ouais. Mais lui, je sais pas. Sa tête me dit quelque chose, mais. Molière. Bon, Charles. Tu es très bien fait, Charles, qui se la trouille. Salut. Tu es une statue? Non. Roberto Benigni, ben en fait, il est là-haut. Voilà. Grâce à qui? Grâce à ouais, bah ouais, on n'a pas levé la tête, tu vois. Moi, mais je vois que ça. Oui, il n'y en a pas d'autre. Tu veux avec lui? Ouais. Lui, il me dit un truc, mais je sais plus comment il s'appelle.
Ça c'est Pierre Toureau Draghetti. Pardon. Lui c'est le magicien. Éric Antoine. Il y a Aline Renaud, Sébastien. Moi et Gérard. Ils ont gardé un fou à trouille, presque. Viens, tu me prends, Rando. Attends, moi je vais aller aussi le chemin. Et tu me dis le Pivot. Thibaut. Et Alexandra. Ah, Alexandra Lamy. Il y a vraiment un journal en plus, hein. Mais monsieur. Mais non, bien, on va arrêter de finir. Oh, Glasgow. Amélie Nothomb. Romancière. Garçon, s'il vous plaît. Ouais. Salut. Tu t'es fait un pote? Ouais. Tu veux pas que je le prenne? Simone. Non. Il y a Joe Biden. Le pape. Oui, j'ai pris une photo. Ça, c'est qui ça? Le roi Mohamed VI. Ta sœur Gina Merkel. Angela Merkel. Et il n'y a pas Trump? C'est moi quand non. J'étais venue, la dernière fois, il y avait Trump. Il y a Vladimir Poutine et. Ça, c'est. Je l'ai vacillé. Xi Jinping. Vous pouvez prendre en photo? Il n'est pas très grand, par contre, Biden, il est grand. Tiens, ouais. Loulou avait la peine. Et lui, c'est qui? Il a les sacs de vie, il est grand. Et Manu. Mais t'as vu, il n'est pas grand, hein, Macron. Et un chou qui pique. Là, en 1939, des macarons. Mais regarde, notre spécialité. Tadam. Et c'est quoi? C'est un croissant aux patates. Allez. Einstein. Et ça, c'est qui? C'est Nostradamus. Je sais pas qui c'est. Bah, c'est un monsieur qui prédisait l'avenir. Einstein, je sais qui c'est pas. Einstein, comment vas-tu? Comment vas-tu? Comme une photo normale. Normale. Version Jotorix. Première. Dagobert, là, il va peut-être avoir Louis. Regarde, je crois que c'est Charlemagne, ça, non? Ouais. Ah, Hugues Capet. Hugues Capet. Louis IX. C'est bien. Oui, tu as un point là. Là, on a qui là? Qui es-tu, monsieur? Louis XI. Ah, c'est Louis XI. Ça, c'est qui? Tu peux même aller derrière les barons, Loulou, hein, si tu veux. Ça c'est qui, Mimi? Ça c'est Léonard de Vinci. Et ça c'est François Ier. François Ier, d'accord. Ça va? Qu'est-ce que tu veux faire, Mimi? Regarde papa qui s'amuse. C'est pour les femmes. Henri IV s'est fait assassiner avec Catherine de Médicis, apparemment. Voilà. Et ça c'est François Ravaillac. Nous avons Louis XIII. Nous avons Louis XIV, le Grand Soleil. Ici, ça doit être Marie-Antoinette. Non, Louise de la Vallière.
D'accord. Jean-Baptiste Lily. Oula. Qui avons-nous? Suleiman Aga Mustafa Raka. Ah, mon chien qui vit. Napoléon Ier. Il était tout petit, hein, Napoléon Ier, parce que. Il y a Gavroche, Victor Hugo. Victor Hugo. Victor Hugo. Je suis fatiguée là. Je redonne des noms. Pablo Picasso. Sylvain Dali. Ça, c'est le général de Gaulle. Ben non, tu m'as pris Van Gogh aussi. Qui est ce petit monsieur? Les Jean-Paul Sartre. S'il te plaît, fais attention. Fais attention au général de Gaulle quand même. Brigitte Bardot. Avec le petit défixe. Attends, Gandhi. Non, Jules César, il va peut-être pas y être. Non. Et Jean-Paul II. Allez, on passe à l'imaginaire. Mais non. Et là, qui c'est ce monsieur? Alors ce monsieur s'appelle Jules Verne. Crat Jules Verne. Jules Verne. Je veux Jules Verne, c'est autour de la culture. C'est autour de la. Regarde maman, il est là. Ah ouais. Oui, mais quand on prend. Mais non, c'est haché. Oui, le petit Tiens, ils sont là vos copains. Ouais. Par contre, on est dans un coin là. Ah, vous voulez des photos? Ah, j'aime bien cet épisode. Ladybug et chat noir. T'as vu, Lily? C'est quel épisode? Je sais plus. Bah, là où ils sont dans la salle de cire. Ah bah oui. Nous allons ne pas les connaître. Hein, parce que... Oh ouais! Doucement! C'est Teddy Riner. C'est Tony Parker. Ça, c'est le manger. De grossesse. Là, c'est Zlatan Ibrahimovic. Pelé. Pelé. Et ça, c'est Ronaldo. Ça, c'est Messi. C'est qui? Lionel Messi. D'accord. Et Kylian Mbappé. D'accord. Moi, je préfère ce côté-là, tu vois. Parce que tu connais. C'est Chaval. Martin Fourcade. J'ai gagné ce jeu au pic. Je suis première, regarde. Par contre, ils l'ont un peu enlevé quand même. Je
il est bien, il est en double. Oui. On va pas arrêter. Oula. Logan, regarde-toi la télé. Je vois. Cara Delevingne. Naomi Campbell, qu'elle est belle. Qui? Elle? Elle? Non, elle. Ah non, elle a une trop grosse bouche. Non, non, mais elle est belle, elle est magnifique. Tiens, Andy Warhol. Coco Chanel. Coco Rouge. C'est de lumière. Autre chose. Je sais pas si ça va rendre bien. Elle est toute bleue, elle est toute belle. Ouais. Attends. Ça serait bien qu'on monte les quatre. Là-bas, je pense qu'à la GoPro, je suis pas sûre. Enfin, moi je vois tout petit, après je vais venir avec vous, mais là-bas on a une chambre de milieu. Salut! Bonne vidéo, je dis! Donc là, là-bas, après on a la tour de Montparnasse. Ouais, c'est joli. Bon alors, nous voici rentrés à l'hôtel. Il est, je sais pas à quelle heure, 21h54. On est sur les rotules.
On n'en peut plus. Alors, on a... qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a fait la tour Eiffel. On a d'abord tenté d'aller au Louvre. On s'est pris en voyage parce que c'était complet. Du coup, on est parti au musée Grévin. C'était trop, trop bien. Trop. Hein, c'est génial. Ouais, c'est super bien. C'est super bien fait. C'est un peu cher, je trouve. Mais bon, c'est sympa. De là, on est parti à la Tour Eiffel, où on est monté au second étage parce que le sommet est en rénovation comme chaque début d'année, donc on peut pas y monter. Et puis voilà, ça fait une journée bien remplie avec plus de 10 km de fait, peut-être 12. Entre 15 et 10. 15 et 10 km. Non. Entre 12 ou 13, oui, on a fait. Et puis du coup, ben, on n'a pas mangé, donc Mathieu et Logan sont partis voir s'il y avait une épicerie encore ouverte pour acheter quelque chose à grignoter. Et on va aller se doucher. Et puis, du coup, ben, on va vous laisser là. On vous reprendra demain matin avant d'aller au rendez-vous qu'on a. Je vous en dirai plus demain. Et puis voilà, on va vous souhaiter une bonne nuit et puis à demain. Demain. Ciao.